Salut à tous, c'est Victor du groupe Cringe. Aujourd'hui, je vais vous présenter le set de support d'enceinte SS50 de chez Woodbrass. Donc, deux supports d'enceinte en aluminium, donc relativement légers et tout à la fois assez solides pour porter vos enceintes. Donc, on a jusqu'à un maximum de 50 kg. Donc, à moins que vous ayez des enceintes de plus de 50 kg chez vous, ça devrait bien se passer. Au niveau des caractéristiques des enceintes, donc nous avons une molette ici qui vous permet de régler la hauteur du pied. Donc on a un minimum de 115 cm, donc 1,15 m, et un maximum de 180 cm, donc 1,80 m. Également, vous pouvez régler la surface d'appui du trépied qui se trouve juste ici, donc les trois pieds. Si vous êtes dans un petit espace et que vous voulez encore plus rehausser votre pied d'enceinte, avec la molette du bas, vous pouvez décider de réduire ce que vous pouvez et d'en faire un trépied qui prend moins de surface. Si vous êtes plus frileux sur votre matériel, que vous avez peur que vos enceintes tombent, ne vous inquiétez pas, vous pouvez rendre très large ces appuis. Donc c'est au choix, en fonction du pratique, comme vous voulez, mais ça nous laisse une gamme et une opportunité de polyvalence plutôt élevée, plutôt pratique. Également, une petite sécurité qui se trouve juste là, donc qui se met dans des trous à plusieurs échelles. Donc ça va nous permettre de garder en sécurité notre enceinte si jamais le trépied va se baisser parce qu'il est mal réglé ou qu'il y a un pépin, ça peut arriver. Également, nous avons ces pins d'enceinte qui sont livrés avec un petit sac Woodbrass. Donc on met les deux dedans, on peut le transporter facilement, c'est un plus, c'est sympa. Maintenant, mon propre avis sur ces pins d'enceinte. Honnêtement, je trouve ça vraiment pratique pour des concerts. J'ai fait pas mal de concerts sur des scènes basses, même sur aucune scène. Et nos enceintes étaient au sol, donc à la limite on peut les pencher, mais le son part en haut, c'est pas super. Là vous pouvez régler exactement la hauteur des enceintes aux oreilles des gens, vous aurez un son de meilleure qualité. Et pour les groupes débutants qui n'ont pas de retour, vous mettez ça derrière la batterie va l'entendre sans trop le couvrir, vous aussi, et vous aurez l'opportunité d'entendre le son en même temps que vous jouez. Et enfin, ce qui est vraiment cool, c'est que c'est relativement universel comme type de support enceinte. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez mettre des enceintes de tout type, ou presque en tout cas, sur ses pieds relativement facilement. Hop, et voilà. Eh bien, à la prochaine!